On va retourner à l'auberge, on va essayer d'ouvrir certains des slots. Déjà là on va pouvoir un peu mieux se sortir. Ça, j'ai déjà oublié. Broad Edge. Ok, je peux le voir. Ok, voilà, on est parti pour un petit longchamp, je pense. Je fasse gaffe à ces... C'est les libellules de la mort là. Les moustiques de la mort. Donc je sais pas derrière. Yes! Alors, il prend quoi déjà? Bah, c'était le fer. Ça fait penser que j'ai pas pensé à équiper d'autres choses. C'est instantané. Je préfère plus l'avoir. ouais, je vais la récupérer avant. Puis c'était bon. Le feu de choc. Je peux peut-être encore plus.
J'ai mis les sorts de soins sur les lèvres parce que c'est lui qui a le plus de mana. Hop. Allez, tourne-toi. Là, il y a mon Master Prince qui est passé au niveau supérieur. Ça me fait gagner. Donc, tuer un ennemi me permet de gagner 5 CP en plus. 10 CP en plus. Et ça me fait apprendre un sort Impatient. Je sais pas ce que c'est. Ça donne quoi le sort Impatient ? Oh, c'est de la régène de CP, c'est trop bien ça. Ok, trop bien. Ça permet de monter plus rapidement pour le pour faire les attaques ultimes, les S-Craft. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, donc S-Craft, en japonais, ils disent Hogu. Et Hogu, c'est aussi dans Fate Stay Night, en fait. C'est ce qu'on appelle communément, nous, le Noble Phantasm. En fait, Noble Phantasm, c'est l'équivalent des Craft dans les psychiatres. Hein. Et Hogu, donc c'est plus traduit en tant que artefact en français. Donc craft, artefact, ouais. On voit à peu près ce qu'il veut dire. Quoi. Enfin, trésor en tout cas. Je trouvais ça marrant. Parc naturel de Lunaria. Hein. Ça ressemble moins à un parc qu'une forêt. Ouais, on dirait que c'est un peu. Ça a l'air bizarre. Ça détonne avec toutes ces fermes aux alentours. Ça peut avoir une signification religieuse par rapport au temps passé. Par exemple, c'était peut-être un endroit où les animistes des anciens temps choisissaient de mettre dans des temples les esprits de la forêt. Enfin, un shrine, c'est peut-être plus dans le sens. Vénérer les esprits de forêt. Il y a un endroit qui ressemble à ça dans ma ville natale. Oui, il y en a une aussi dans une ville. Ce garde du parc nous a dit qu'il y avait des gens par ici. S'ils sont vraiment coupables, peut-être qu'ils sont partis. Qu'ils sont déjà partis. Cette forêt est trop dense pour être. Pour se fier uniquement à notre intuition. Pour savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Oui. C'est quoi ça? C'est. Un bracelet? Comment un bracelet a pu arriver dans un tel endroit? Comme je le pensais. Ce bracelet de la même marque et a le même design que celui que le marchand de la capitale prévoyait de vendre. Vraiment? Tu en es sûr? Ah oui, j'en suis sûr. Il n'y a absolument aucun doute que ça a été créé par la même personne. Ça te dit de me donner ton opinion, Laura?
Je suis pas vraiment au point sur la dernière mode. Mais il y a vraiment beaucoup de similitudes entre ce bracelet-là et celui des produits des marchands. Donc le fait qu'ils soient là veut dire... Eh oui, on est sur la bonne piste. C'est à peu près sûr que les coupables que l'on cherche sont dans ce parc. Ouais, ça me semble être ça pour moi aussi. Ça se ressemble à l'intérieur. Je suppose que ça ne laisse pas beaucoup de choix. Ils vont le détruire? Ah, j'en étais sûr. Tu vas le détruire? Est-ce que tu seras capable de... Le cadenas m'a l'air assez solide, mais mon épée devrait être suffisante pour... Attends. Je vais le faire. Je peux le faire de manière plus discrète. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu vas faire? Quatrième forme de l'école de l'école d'une lame, 8 feuilles. Coupure de la feuille d'automne. Sérieusement? Ouah, tu as coupé en deux. Pff, heureusement, ça a marché. Spectaculaire. C'est un honneur d'être témoin de l'une des capacités de skill, de l'une des compétences de l'école des Yifei. Ah, merci, mais je ne suis encore qu'un débutant, plus ou moins qu'un débutant. Donc, quoi qu'il en soit, on n'a pas de temps à perdre. Rentrons à l'intérieur et voyons ce qu'on peut trouver. Ça marche. On doit les trouver avant la tombée de la nuit, par contre. On dirait qu'on va pouvoir... tout faire, finalement. Excellent. Allez, allons-y. On doit se dépêcher. Est-ce que je peux revenir là? Ah ouais, yes. J'ai vu qu'il y avait des coffres. Enfin, des coffres. Oui, voilà. Ah, il y a un vrai coffre. Je l'ai vu dans la cinématique. Ok. Merci, normal. Bon, on sait qu'on est dans un donjon quand il y a la station de rechargement. Il y a beaucoup de petites effigies ici. Vous pensez que ça avait un rapport avec la religion? Oui, ça a l'air d'être un lieu de pèlerinage animiste ici. Oula. J'ai eu le mob, j'ai cru que c'était un coffre. Allez, tourne-toi. Tourne pas. Le feu, c'est efficace contre tout là. Ah, il paralyse ça. Ok. Niveau 11. Je crois. Hein. Je vais être niveau 10, je crois. Donc. Je vais quand même analyser. J'utilise ces crapauds. C'est tout? Attends. 130.
Comment ça se fait? Ah ouais, ça fait place. Ok. Reste efficace. Ok, donc quand je vais soigner avec Elliot, j'ai bien fait de mettre l'exhortation sur Elliot du coup. Chaque fois que je soigne sur Elliot, ça va être multiplié par 1,5 le sort de soin. C'est sympa la musique ici. Putain, c'est trop vite. Alors, craignent tous le feu et craignent les épées à façon. C'est des flèches? Non, c'est pas des flèches. Ah, ils craignent les armes de. Comment ça s'appelle? Alissa. Elle fait méga mal, Laura. Ok. Ok. C'est trop la musique. Ah, la tête spéciale. Combien là? 11, 10, 10, 10. Ouais, faut que je monte les niveaux un peu. Ah merde! Ah, je l'ai pas tapé. Merde. Il craint le feu. Quelle erreur. Quelle erreur du joueur français. Ah, ça, regagne de, il a, ça fait regagner de la vie quand même, tape. Ah,
勝てたね。やった。こちらは行き止まりか。ああ、思った以上に奥深いみたいだな。うん、宝箱か。 Équiper un peu les trucs. Non, Michi, je vais mettre sur Laura. Elle va avoir Picard. C'est quoi ça? Ah, c'est ok. Les masses épiques que j'aime. Ah, ces monstres-là, ils étaient dans Zero et dans AO aussi. Supportable. C'est peut-être dans les autres aussi, mais je m'en rappelle plus. Ok, je crois que j'ai pas le choix, je peux pas attaquer par là. Je peux pas. Ouh, il est vénère lui. Niveau 13. Apparemment il peut one-shotter. Je crois que j'ai fait le bon choix parce que vu qu'il pouvait one-shotter un perso, j'ai pas perdu le temps. Tiens, je vais regarder c'est quoi son armement à Alyssa. Ah, c'est ça qui m'avait sauvé en fait. Donc en fait, quand j'étais mort avec les moustiques, et tout à l'heure aussi, elle a une possibilité de se ressusciter toute seule. Ça marche comment? Ah, ça marche qu'une seule fois par bataille. Ok. C'est pour ça qu'à tout à l'heure, elle s'est ressuscitée toute seule et après elle est morte. Je comprends. Et j'avais pas lu ses skills en fait. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que. Tiens, c'est quoi le truc de Laura? J'aurais dû faire ça dès le départ. Ah, elle est très forte à cause de ça. Okay. Donc c'est grâce à son Master Quartz. Elle commence la bataille, elle commence les combats avec 25% de dégâts au premier tour. Donc faut que j'y pense et que je pense à attaquer direct avec elle. Au premier tour. Ogawa-ka, skoshi hotto suru wa ne. Elle me parle de la pêche, non? J'ai l'impression qu'elle me parle de la pêche. Alors. Vraiment, vraiment sympa ce petit donjon là. Ça change. Merde. Ça change du donjon de base du début. Finalement, elle est mis là. さて、先に進むとしようか。
Et j'attends qu'il se retrouve encore. Vas-y, retourne-toi. Je suis pas encore trop habitué à la distance. Crème quoi déjà? Ah putain, ça va être trop. Ah non, si, c'est vrai que j'ai un soin. J'ai oublié, j'ai un soin. Ça a l'XP, mais t'as assez infini quand même. Ok. Faut que je... Ouf, encore un monstre à la con. Ah, c'est bon, Laura, elle est décalquée. Moi, j'en réfléchis pas, on conserve celui-là, les trucs. Il y en a deux là-dedans. Oh, ah, j'ai eu les deux. Trop bien. Parfait. Souhait. Putain, il bouge trop vite. Vas-y, retourne-toi. Ah, j'ai pas eu le temps de cliquer. Faut mal ces insectes. Peut-être un autre coffre. Il y a un autre coffre. Je sens personne dans cette zone.
Oh! C'est pas mal du tout. Ah, pas équipé. Pourquoi pas équipé? Bon. Je sais pas si l'attaque sert vraiment quelque chose sur elle. Parce qu'il y a déjà 25% d'attaque. Premier tour, on va dire que c'est utile. Ok. Très très chouette cette musique. Cette forêt, où est-elle continue? C'est bien avancé, je pense. Encore un souffle. Ouf, tous les ennemis, on les voit là. C'est tout ça, la route. Donc là, Elliot qui demandait, mais on est bientôt arrivé. J'aime pas ces bugs là. Ils se retournent trop vite. Après. Oula, il y a des monstres là-dedans. Quand il y a ce genre de format là, c'est qu'il y a des monstres. C'est compliqué, hein. J'ai utilisé des hogs. Ok. C'est de la dorme. Elle va être en soutien. Déjà. Le feu.
Ok, je vais rien faire sur ce. Parce qu'il a le critique et il est en train de dormir, donc si je le réveille, il va me déboîter. Ça. Ok, c'est bien passé. Compliqué quand même. J'aurais dû m'acheter d'autres potions, je pense. Après, j'ai ça, mais ouais, j'ai dans le coffre. C'est ton axe. Ah, c'est pas mal ça. On va sauvegarder, on va essayer d'affronter les 5 mobs d'affilée. Ça va être compliqué. Ils doivent protéger un coffre intéressant. Ça va être chiant. Ça va être chiant parce que faut que je les écarte les uns des autres. Comme ça. Ok, j'ai l'impression que j'ai pas eu le boost là. J'ai pas eu le boost. Ok, ça se passe bien grâce au craft de Ugot. Oh. Ah mais c'est qu'il avait 2 en même temps, ok. Putain. C'est pour ça. J'avais stun celui de derrière en fait. Y'a un panda. On va buter le panda. Là. Il y en a encore deux.
Ah, ils sont casse-couilles, hein. Un seul avantage. Change d'une grosse quand même. Ça. Bah, puisque les arts sont gratos, on va faire ça. Boum. Ah putain, d'accord. Je me suis enchaîné juste derrière, quoi. Ça, ça arrange pas mieux à faire. C'est quoi ça là? Ok, yes. Je sais pas, je vais voir. Craft. Ok, ils sont tous à côté de moi, parfait. Et là, je fais un petit coup de ça. Boum! What? Quelle injustice. Il reste plus beaucoup de vie à... Alors... Donc les deux Udorms pour 5 tours. On va se concentrer sur ce qu'il n'aime pas. Ce coffre tranquillement. Golden Sphere. C'est quoi? Ah, c'est pas mal ça. Ça va peut-être mieux pour elle. Elle a pas besoin de son sort de heal en vrai. Je crois. Parce qu'il y a déjà un truc de... Ah, déjà Telas, donc il n'y a pas besoin de soleil. Je vais lui mettre ça. Ok, petit repos, et on va affronter le boss. Et voilà. Hé, hey, pas mal pour un travail de nuit. Et si ces idiots ne lâchent pas leur pétition, on va même être capable de s'en faire encore plus. Ouais, t'emporte pas trop non plus. Hein. On a été récompensé pour tout ça en tout cas. On va être tranquille pendant un moment. Ouais, mais c'est qui ces gars? L'armée provinciale a l'air d'être contente
de les faire chier. Aucune idée, mais de toute manière, je peux jamais comprendre ce que cet homme pense. Mais c'est pas nos problèmes, de toute façon. On a juste besoin de se préparer à abandonner cet endroit à tout moment. Vous n'irez nulle part. Quoi? C'est qui là? Qui est là? Des étudiants? J'avais pourtant bien fermé le verrou. Ne me dites pas qu'ils l'ont cassé. Et si? On dirait que les produits volés sont bien là, finalement. Pris la main dans le sac. Allez, on se débarrasse d'eux. C'est juste des gosses. Ils peuvent rien contre nous. Et comme on est tout seul ici, personne ne pourra voir ce qu'on fait. J'espère que vous êtes prêts pour la beauté de vos fesses de votre vie. Oula, je doute fortement qu'on sera ceux qui vont se faire déboîter les fesses aujourd'hui. Tant qu'on fait un bon usage de lien combat Arcus. Ouais, ils font pas le poids. Allez, on y va. Ah, ils sont séparés, donc je peux pas encore faire le... Ah, les liens. Ah, les liens, ils ont été enlevés? Oh, fait chier. Allez, bâtard! J'ai ciblé mon healer exprès. Pour me casser les couilles. Oh. Ah, il prend des petits bâtards. Moi, faut que je ressuscite vite Elliot pour qu'il puisse gagner XP. Je vais pas attaquer. je vais aider. Parce que sinon, il est trop rapide. Regarde. Ça m'a fait gagner que dalle. D'ailleurs, un autre combat derrière. Ah bah, on doit affronter le boss, je suppose. Enfin, le monstre. Gars. Ça va être une blague, c'est des gosses! Vous êtes pitoyable. Ça. C'est à peine l'équivalent de mon échauffement habituel. Bah, quand vous êtes entraîné. Enfin, quand vous êtes habitué aux entraînements de l'instructrice Sarah, des petits échauffements comme ça, ça veut dire autre chose. Vous êtes au bout, on a gagné. Je vous suggère de vous rendre et de vous excuser à tout le monde au grand marché pour tous les problèmes que vous avez causés. On va renvoyer ces produits volés alors. Propriétés respectifs également.
それと誰に頼まれたかも話してもらう必要がありそうだな。On est gaiement intéressé pour savoir à qui vous engagez. Vous devez être complètement débile si vous pensez que vous avez gagné. Rien de méchant. Mmh. Putain, Elliot, il va prendre cher. Je sais pas, Je pensais avoir entendu le bruit d'une flûte. C'était quoi ça? Ça ressemblait au cri d'une énorme bête. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive vers nous. J'aurais peut-être pas dû utiliser le scrap de... Ouais, si, ça m'a permis de m'en sortir quand même facilement. Ok, j'ai déjà pas envie. Allez! Ah bah bon, géant! C'est énorme! Je crois qu'on a affaire au gardien de la forêt. Tu proposes quoi, Rin? C'est peut-être des voleurs, mais on peut pas les laisser mourir ici. On va devoir se battre. Compris. Bien sûr. Adios, aidez-nous. Oh non, la bifocale. Ah, c'est bon. Ils nous ont mis là. C'est gentil. Je peux me prendre une décharge. J'ai pris EP charge, c'était CP charge que je voulais prendre. Quel con. En plus j'en ai pas. Boulette. Bon, bah, dans tous les cas... Ah putain. Il a pas de CP. Bon. Merci, je veux. C'est tout. Bordel. Quel enfer. Ça se passe pas très bien. Bordel à cul. Ça va pas très bien se passer, je pense. Ok. Je crevais. Je vais crever comme une merde. C'est ah mais ils m'ont... Oh putain, ils m'ont enlevé mes liens en plus, les bâtards. C'est pour ça que ça marchait pas. C'est vraiment chiant ça. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui meurt, je perds mes liens. Oh là là, quel enfer.
paralysé. C'est moi qui suis paralysé. Retrait tactique. C'est dégueu. Rin, il a plus de buff. Il a plus de buff. Ah, mais je suis con, je peux refaire mon tac. J'aurais peut-être dû raise. En fait, je vais utiliser. Je vais utiliser Alyssa pour raise Laura pour qu'elle se fasse buter à chaque tour en fait. Ça me paraît intelligent, vu que les IA est dégueu. Ok, nickel. Bon, par contre, prochain tour, Alyssa va mourir. Faut que je reste Elliot. Ah, c'est compliqué. Surtout que j'ai pas fait le plein. J'ai pas fait le plein à la ville comme un mongol. Ça va, je m'en sors bien. Compliqué là. En plus, je vais rien enlever comme dégâts. Prends quoi d'ailleurs? Pas grand chose. Faut que je fasse un tour de. J'ai pas le choix. Impatience, c'était quoi déjà? Ah ouais, ça c'était trop bien. Bah, j'ai une bien sûr. Ah, il est trop long pour moi. What? Bâtard. Évidemment, je peux rien faire. Ok, c'est bon. Dans une meilleure position maintenant, par contre il a un critique donc il risque de me tuer quelqu'un. Hop, comme ça, ça devrait se passer. Faudrait que je me protège, mais j'ai pas assez de craft.
Oh le bâtard. Ouais, je m'attendais à ce qu'il me one shot. Hein. C'est pas grave, j'ai pas de nid pour le moment. C'était prévu. Il est entre-shot ce boss. Infernal. Quel bâtard. En fait, là, faut que j'utilise Rin. Faut que je ressuscite Rin avec. Avec Alyssa. Il va se faire tuer à tous les tours par. Par le boss, puis voilà quoi. C'est qui marche, je crois. Faut que je le fasse se focus sur une à chaque fois. Combat débile. Je crois que c'est la première fois que j'utilise autant des objets dans un combat de Kiseki. C'est mon bandit. Wouah, c'est compliqué, hein. Ok, les gars. Bon tour. On a une bonne position, là. みんな元気を出して。俺の番だな。我が渾身の一撃。コーディーランナー。参る。今だ。付き合い。任せてちょうだい。
C'est compliqué. Ah non, retour Windows là. À cause du SQL. Allez. Donc, comme prévu, il va y avoir comme un caca. Ah, il reste encore 1000 points de vie. Attends, il peut pas lui donner de vie? Ah non. Bah, il cible pas Rin. Il est pas mort, lui. Oh, c'est une guerre. Ah, il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Faut que je tue. Yes. 28 minutes de combat alors. Oh, c'était intense. Quel enfer. Bon, moi, surtout dans le niveau, c'est cool. C'était terrifiant. J'ai vraiment cru que c'était fini, nous. Mais néanmoins, on a quand même réussi à le battre. Rin, c'était quoi cette compétence que tu as utilisée? Ah, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis quelques temps. C'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir l'utiliser. Je sens définitivement que je commence à avoir le coup de main maintenant. Je vois. Tu es vraiment incroyable, Rin.
Ouais, tu es toujours là pour nous aider quand on a besoin de plus. Non, c'est faux. Il y a... on peut... Il y a vraiment plein de choses qu'on peut pas faire par soi-même. N'aurait pas été capable de combattre cette chose si on n'avait pas pu tous travailler ensemble en tant qu'une équipe. C'était la victoire du groupe A en entier. Bien dit. En effet. Oh, incroyable. Qu'est-ce que ces gosses font là? Ce bâtard, c'était pas censé se produire. Vous parlez de qui? Quoi? Oh oh. On dirait qu'on est des invités inattendus. Les voilà. Ils ne sont pas seuls. Quoi? Mettez vos mains en l'air. Et essayez pas de résister. Ah, les bâtards. Pourquoi est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que c'est nous qui vous encerclez, les peuples? Ferme ta gueule. Ne crois pas qu'on va être gentil avec toi juste parce que... Ne croyez pas qu'on va être gentil avec vous juste parce que vous êtes des étudiants. On dirait que tout votre dur labeur n'était pour rien. Oh, quel dommage d'être homme. Ils essaient même pas de faire semblant de pas être impliqués. Complètement lamentable. Vous sautez un grand nombre de conclusions. Je vois deux groupes de personnes et des produits volés. Mais aucune indication de savoir quel groupe est responsable. Oh putain. Est-ce que vous avez un moyen de prouver que vous quatre n'êtes pas les criminels? Quoi? Vous avez l'intention de nous mettre ça sur le dos? Mais c'est incroyable. Je vous dis juste que vous devriez vous mêler de vos affaires et apprendre où est votre place. La province de Crozon, c'est le territoire du duc Albaret. Et je ne veux plus voir le nez de petits gamins comme vous et non pas leur place. Vous allez vous rendre maintenant. On sera plus que ravis de vous arrêter là maintenant tout de suite et de vous ramener à de vous traîner jusqu'à la ville de Barrehard en train de chouiner. C'est ridicule. J'ai bien peur que vous ne ferez pas ça. Quoi? Qui est là? The Blood Thickens. Il y a de plus en plus de persos là. C'est la police militaire des chemins de fer. La police militaire des chemins de fer? What the fuck? Oui, la RMP. Alors du coup ça devrait quoi? Police militaire des chemins de fer. PMC, la PMC. PMCDF. C'est supposé être l'élite... l'unité d'élite de toute l'armée impériale. What? La princesse de glace. Je sais pas comment. Je sais pas ce que c'est, mais je crois. La dame de glace. La dame de glace. Pourquoi est-ce qu'une des chiennes du chancelier vient ici? Ah, c'est l'armée du chancelier Osborne. C'est des faux amis. Hein. Qu'est-ce
Quelle est la signification de tout ça? Cette zone est sous la juridiction de la province. Oh putain, de l'armée de provinciale de Kreuzen. Lire les phrases en arrière, ça me perturbe. L'armée impériale n'a aucun droit d'intervenir. Avec tout le respect qui vous est dû, Keldik est une station d'échange majeure dans notre réseau de chemin de fer. Donc, en tant que tel, on a absolument tous les droits d'enquêter sur n'importe quel incident qui se produit dans cette zone en général. Comme je suis sûr que vous êtes bien au courant. Notre enquête jusqu'à maintenant, et après avoir interrogé toutes les personnes liées à l'incident, nous avons conclu qu'il était absolument impossible pour n'importe lequel de ces étudiants d'être coupable de ce crime. Vous souhaitez contester ce jugement? Petit coup de pression là. Je suppose que non. Alors, puis-je vous suggérer de nous laisser faire notre travail? La PMCDF va prendre responsabilité de ramener tous les produits volés à leurs propriétaires respectifs. Soldats, rompez. On retourne à Keldik. Yes, sir. Bien, monsieur. Vous devez vous foutre de nous. On avait à marcher. Mettez sous les verrous. Bien, madame. Oh merde. C'est complètement fait avoir. Inutile de résister. Vous venez avec nous. Espèce de sale chienne du sang de fer. Espèce de sale chienne du sang de fer. Elle est vraiment belle. Elle fait vraiment partie de la PMCDF. Merci à vous tous pour votre assistance. Rivelde, Claire Rivelde. Je suis la capitaine Claire Rivelde de la police militaire des chemins de fer. Nous sommes une section de l'armée impériale. Et je suppose que vous êtes les étudiants qui visitaient. Les étudiants en visite de l'académie militaire de Tors. Je vais devoir remplir un rapport à propos de ce qui s'est passé ici, donc ça vous dérange pas de m'accompagner ?